right, I just want to check first to see who's here. CFTM? Yep. Channel 10? Yeah. Okay. CBC Journal? Here, present. Right. Okay, National Film Board? Yep. It's here. CBC? Good day. They didn't make that, okay. Much Music? Right here. Right, CBC National News? Okay. CBMT? Channel 6? Right here, that's 3. CBC, Lieutenant Journal? Okay. CFCF? Right here, that's 4. And NBC TV is here. Okay, I'll take you out onto the field, all right? You go into the stands in the back, get a wide shot of the stage, you can speak to fans. Don't go too far close to this, don't go in front of the sound tower and shoot the stage. You're not allowed to do that. You can speak to fans in front of the sound tower if the cameras are facing away from the stage. And you go into the stands off to the side. Because that's the rules. Okay? That's the rules. That's the rules on... Let's go. That's the rules on the tour, and that's the way we've been doing it since Kansas City. Nobody's complaining except you people. Nobody's complaining but you. If you don't want to shoot, you're welcome to leave. You know, this audience is going to be one of the most excited audiences that they've had the opportunity to play in front of. Yeah, the Montreal audience is... has that combination of European and American culture that just makes for truly appreciative people. Yeah, the audience is here in Montreal. Great. Yeah. Okay, thank you very much for having me. Thank you. Donald K. Donald. Sylvie, est-ce que Donald est ici? Donald K. Donald? Est-ce que je peux parler avec vous? Excuse me, Mr. Gay. Do you think la tournée du pape peut aussi cher que la visite de Jackson? I'm sitting on the San Francisco. Il est beau, je suis ensemble avec Michael Jackson. C'est pour ça que je voulais le voir. Même si je gagnais, je sais pas, 50 000, une fois, je suis gagné 1 million, peut-être que j'allais le voir, peut-être, si j'avais le temps, tu sais. Mais même si j'ai le temps, je veux de l'argent, je ne veux pas être le voir. C'est le grand patron de tout le chantier ici. Un ingénieur qui travaille pour Lavalin. Il y a plusieurs ingénieurs de Lavalin ici. Ils sont bénévoles. Oui, c'est chanson. Ouais. Ils travaillent comme des chiens. Hein? Et moi, je suis bénévole. Et moi, tabarnak. J'espère qu'ils vont me trouver une job après. C'est pas un vrai bénévole qui a laissé sa job venir travailler ici. Ben, tu fous ta banane. T'as été malade en hostie de lâcher ma job venir travailler ici. Non, mais des fois, il y en a, ils sont croyants au bout, là. Ben, si, ouais. Faut être fou pour ça. Faut pas ambitionner. J'aime bien gros de pape, mais Christy, faut pas. Pousse mes pouces égales. Mais c'est une. C'est une entreprise de grande envergure, hein, seulement qu'à regarder les matériaux qui sont à terre. C'est tout du tubulaire, hein. Ça a l'air solide. Mais... Alors aujourd'hui, tant que ce ne sera pas fini, là, je pense que je vais participer pour la construction par les bénévoles. Non, la visite du pape, on va rien apprécier. J'espère qu'elle va avoir les résultats qu'elle est supposée avoir. C'est pas une visite seulement, je suis pas un touriste, c'est plutôt avec des idées très profondes. Hein. Surtout au Québec, on a besoin de... Ben, c'est un genre de... Un genre de missionnaire. Si on se le fait dire, hein, que les missionnaires ont plus besoin de les envoyer à l'étranger, on peut commencer par ici. Il y a un ouvrage à faire. RTV, la radio de Montréal. Écoutez encore RTVB FM, la radio où tout va bien. Aujourd'hui, on le sait, on a de la grande visite, on n'en parlera pas trop longtemps. Un chanteur qui nous vient des États et surtout un très, très grand comédien qui se promène partout pour répandre sa grande nouvelle. Prosternez-vous! On va écouter maintenant un groupe qui nous vient d'Allemagne qui s'appelle Les Bannis. Des jeunes hommes pleins de talent qui nous amènent leur dernier succès qui s'appelle Poppy Love. Il est 10h30 à Montréal, il fait très très beau et surtout fatiguez-vous pas, aujourd'hui la journée va être longue.
Il est arrivé. Viens dans la mienne. Je peux pas. J'ai pas envie de rester. J'ai pas envie de vivre ces événements-là, moi. Je peux pas. Je suis trop nerveux. Nobody crosses that line. Matin fumeux, tenant 2000 clinquant dans les rues, des policiers en armure préparent l'arrivée des stars. Derrière les stores, les yeux des gens déjà comparent entre l'écran et le dehors. Ils regardent passer les camions, les taxis et les avions et se disent Wanda. Pourquoi le monde s'agite-t-il tant? Changer d'idée? Bon, je suis sûre que Pascal aimerait ça. Je peux pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Prendrais 7 billets aller-retour pour Ottawa, s'il vous plaît. Établir un lien direct entre cet attentat et la venue du pape à Montréal. 4 morts, 30 blessés, là-dessus, il y en a peut-être une quinzaine. Oui, bien, les policiers auraient procédé à l'arrestation d'un individu de race blanche, lequel également un noir aurait été. Cette lettre de menace, tuer les papes, pendre, par aussi papauté, sanglante. Ok, on te pompe. Comme Vatican sacrilège, tuer les papes, papauté, sanglante. God bless you. Les corps sont recouverts d'osifs que des cadavres qui sont sur place, des cadavres qui n'ont pas les encore été identifiés. Les victimes qui étaient littéralement la police de Montréal qui nous a téléphoné.
Le texte d'une pièce qui est sortie il y a une couple d'années, puis ça avait fait scandale. Comment ça? Oh, parce que ça dénonce l'oppression des femmes par les hommes, par la société, par l'Église, par tout. Il y en a qui ont protesté, évidemment. C'est ça, ils reprennent ce soir la pièce par rapport à la venue du pape. Et tu vois? J'ai été ébranlée, c'est pour ça que c'est là que j'ai peur. Tu veux ces bottines d'armée? Oui, il était pareil. Il est beau, hein? They are nice, too. Hey. C'est qui, l'autre, là, les gars qui sont là? Je ne l'avais pas vu. Parce que j'ai une boîte, c'est ma boîte. Je ne sais pas comment la faire. Je ne suis pas capable de la ranger. Je connais pas ça, madame. Pas une intruse, moi, là. Checker les dons, ces gars-là, là, avec les caméras. On s'en équipe, on fait comme d'habitude, on les laisse faire. Et après ça, on les sort à toute vitesse. OK. En tout cas, quand je suis inquiet tout à l'heure, qu'on s'en rend compte. Toi, tu pars par là, moi, je pars dans mon bord. Parfait. Ralph, give me some Monmouth, please. Excusez-moi. Check! Check, check, check one! Oui, je le vois, mais il est bien, bien petit, hein? Attendez, je vais vous le rapprocher. Il se rapproche. Oh! Ah, bien, il y en a fait pour rapprocher? Ouais. Oh, bien, mon Dieu Seigneur! Ça a-tu du bon sens? Oh, mon Dieu Seigneur! Ah, bien, hein, c'est qui, hein? Ah, oh, bien, hein, merci beaucoup, là. C'est qui, ce gars-là, là? C'est moi qui fais ta photographie?
Parce que j'étais une intruse. Hein? Hé, Bordelot, c'est un de nos hommes en haut, ça? Où ça? En haut. Évidemment. Faudra que toujours mettre sa voix. Oh, ben, je vais checker ça. Merci. Et ensuite, au rapport, chef, oui, les caméras là, sont rendues devant les hosties. Qu'est-ce que je fais? Les caméras, chef, ils sont rendus devant les hosties. On n'a pas le droit, monsieur. Qu'est-ce que je fais? Demandez-nous pas, Mère Raymonde. On n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu veux? On a un règlement à suivre, puis il faut le suivre. Oui, madame. Vois-tu, lui, il a sa photo. Il aurait fallu que tu aies ta photo, toi aussi. Je vois rien. C'est bien beau, des caméras, toutes sortes d'affaires. Mais on a une pause blanche. Ah, puis allez vous informer à des postes plus hauts. Moi, je suis rien que le bénévole. On a reçu des ordres, puis c'est le même. Et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. De tant s'aimer, de tant espérer, de tant s'enseigner la conscience et la fierté chaque nuit, chaque vache de nuit. Je sais qu'on se rapproche du moment. Continuez jusqu'au parc là-bas. Et qu'alors? Je dis oui, file-moi. Quérin, regarde la loi, monsieur, ça prend pour des affaires de niaisage de même. Est-ce que tu trouves pas si niaiseux, ça? Trois chars de police pour escorter 20 niaiseux en avant. Même qu'un officier qui, son salaire, là, il gagne à peu près 45 000 pièces par année. Il t'apprend à conduire, regarde ça dans le char. Ça, tu trouves pas ça écœurant? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Réponds-moi. OK. Vous êtes derrière TVB FM, la radio, où tout va bien. Restez avec nous autres, il s'en passe des affaires aujourd'hui. Vous allez vivre ça avec nous autres, ces 24 heures extraordinaires-là. On va avoir de la musique, des entrevues. Journée papale, un pape noir qui chante, un pape blanc qui nous parle. N'oubliez pas, il n'y a pas juste au stade olympique qui se passe des affaires. Il y a des manifestations, des balles costumées, des pièces de théâtre, les fées ont soif. Les murs nous parlent, il y a des dessins partout. Alors, dans un moment de repentance, dans un cri de passion, nous la nommerons autrement. Ici. Oui, Jean-Paul. Tu sais, Paul, oui. Quand ton père l'a vendu sa compagnie de ciment, là, j'ai fait affaire avec le gros malin. C'était tout arrangé, hein. Les contrats, ils étaient. Le malin, il sait. Tout est calculé, tout est arrangé. C'est comme ça qu'il m'est trop ça. Oh, mes petits chaudrons, là, ça reste un petit chaudron, hein. Hey, you, you can't cross this line. You're not allowed to shoot the stage, okay? Attention! Préparez-vous! Thank you.
que tu fais là? Faut que je mette la pellicule là, pour la caméra. Faut que je me dépêche. Ah, qu'est-ce que tu fais s'il y avait confusion? Dans ça, mes collègues s'énervent, puis tu sais, deux balles dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous autres? C'est long, ça? Non, non, il m'en reste pour 2 secondes, là, j'ai fini. De la merde, il y en a en est. La merde, où ça, il y en a? Tu comprends pas, on est à la même école, mais toi, tu pensais pas assez vite. Il y en a partout. Non, la merde. La merde. Chris, de la merde. This is the word of the là, vous l'avez assez filmé, la foule. On a la TV, puis c'est en masse. Envoyez, sortez. Envoyez, sort. Laisse-les faire. Arrête, laisse-les faire. Oh, tu vas attendre, il faut que je t'amène voir le pape, toi. Dis à Dieu, tu es celui qui est. Je suis celle qui n'est pas. Hein? C'est quoi qu'il dit? Il dit, je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas. Comment ça? Adorez le Seigneur comme Moïse l'a adoré quand il se voila le visage. Ah, je le vois. J'ai pas mes vraies lunettes. Sur Dieu. Ça se peut. Prosternez-vous aux raisons d'aujourd'hui. Si tu t'ennuies du temps où les princes charmants allaient dans les églises pour regarder les filles, si tu t'ennuies vraiment de ce moment touchant où le peuple à genoux dans un spasme lubrique, adorait un très bien la rondelle mystique. Si tu as dans ton cœur des élans romantiques, si tu verses des pleurs à chaque Alléluia, si quelques indulgences te rendent nostalgique, si tous les petits chinois te rappelle ton enfance, alors n'hésite pas, accroupis-toi devant lui. Ce temps-là reviendra, il reviendra le temps des pique-niques et des Coca-Cola que l'on savourait entre deux chemins de croix. Le temps où la Vierge apparaissait ici-là, avec ses catastrophes et ses secrets troublants. Et s'il te manque tant, ce temps des poules soumises, alors n'hésite pas, tout est là devant toi. Prosterne-toi. Et voilà. Et toi qui penses encore qu'après la mort, il y a le paradis. Si tu t'ennuies du temps, toi qui penses encore qu'après la mort, il y a le paradis. Quand tu y seras, envoie-moi, je t'en supplie, des cartes postales.
Comprenez ce que je vous dis là, c'est vrai. J'ai mon bac, puis je suis pas folle. J'ai enseigné 34 ans. Monsieur, écoutez, là, je l'ai vu faire, puis j'ai les prescriptions qu'il donne à ces personnes-là. Je l'ai vu, j'ai été voir qu'est-ce qu'il leur donnait dans les petits cassos qui étaient marqués. Il leur donne pas manger, il donne des pilules pour les endormir. Pas qu'il parle. Puis le médecin profite d'eux autres. Ils savent même pas quand le médecin va ou pas. Moi, ça, je dénonce ça parce que c'est moi qui m'envoie là dans le couple d'années, moi aussi. Tu sais? Vous craignez ça? Oui, je crains ça, ce genre de fin-là. Dites-toi que je suis pas une folle. Le pape dit aux femmes de demeurer à la maison. Le pape non à l'actionnisme et à l'entière. Le pape dit non à l'avortement et à la contraception. Le pape dit aux gays et aux lesbiennes qu'ils sont des malades. Le pape dit aux religieux qui participent aux jeunes, de plus en plus, ils réunissent la religion. Sans la manifestation, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça fait du bien. C'est pas beaucoup de monde. C'est toutes des salles. T'as regardé le monde qu'il y a là? Toutes des salles. C'est pas vrai, madame. Hein? C'est pas vrai, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des salles, c'est des... C'est toutes des salles, ça. Mais non. Ouais. Et qu'est-ce que c'est? Des jeunes. Des jeunes? Des jeunes quoi? Des jeunes fous? Quelque part, quelqu'un sort de son regard. Il regarde le monde dans cette belle journée complètement capotée. Il voit passer les camions verts des superstars. Festival de pépites aux yeux de vidéo, des guitares aux cordes de laser. Il s'agite, il regarde passer les camions, les taxis et les avions. Et se dit loin dedans, pourquoi le monde s'agite-t-il tant? Prosternez-vous, la voix venait de nulle part et d'un peu partout à la fois. S'étonne encore, une Toyota freine en criant. Et sur un camion noir cette fois, prosternez-vous, prosternez-vous. Et le soir en soupant, non, 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 au cinéma. Et sur l'écran, non, 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 en se couchant. Et dans ses rêves, évidemment, non, non, prosternez-vous, non. Un seul interdit. Les amoureux. Les amoureux. Imagine. Parce que le temps des victimes est terminé. Parce que le temps des victimes est terminé. Il n'y a eu depuis le début du monde. Il n'y a eu depuis le début du monde. Qu'un seul interdit. Qu'un seul interdit. Les amoureux. Les amoureux. Imagine. Les amoureux. Les amoureux. Imagine. Il rendit grâce et
café d'honneur à celui-ci en disant « Prenez et buvez-en tous, car c'est si rapide et bon sang, et sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la République, en rémission de Jésus, et le Sénat en revoir. » Tout du bénévole, là, hostie. La grosse, la foule, hostie. Moi, j'en ai un autre. C'est tout beau, Carlos. Ben, c'est moi le boss, ça donne. Ouais, il y a ça. À l'occasion de la visite du pape, en septembre, le ministère de la Justice demande à être informé rigoureusement de toute personne susceptible de représenter un danger pour la sécurité du pape. Oui, c'est ça. Ah, OK. Demande à être informé rigoureusement de toute personne susceptible de représenter un danger pour la sécurité du pape. Si vous avez des patients ou si vous remarquez que des patients pourraient représenter des risques, prière d'en informer le ministère de la Justice. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh oui, il y en a sûrement, oui. Mais d'autre part, nous, on a remarqué qu'il y a des comment ça va? Qui ont été changées. Oui, ça va pas fort. Ouais, oui, c'est Jean-Marc. Bien, c'est ça. C'est d'autant plus bizarre que nous, on n'a pas été informés de ça, tu sais. Puis, ben, je trouve ça dur. Penses-tu que ça a quelque chose à voir avec la lettre? Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de sortir. Non, ça, c'est pas la même chose. Je me suis habillé en femme. Non, celle-là, je l'ai pas lue, mais par contre, je sais qu'elle a été adressée directement au psychiatre. Ah, je le sais bien que je suis trop gros pour m'habiller en femme. C'est ça coule sûr. Au deuxième, ça coule au premier. Oui, ça ne demandait sensiblement la même chose. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Oh, mais OK, c'est correct, je vais y aller. Tu veux dire la lettre qui a été envoyée par le ministère de la Justice? Je me suis fait une robe à tout croche, oui, mais ça fait rien. Des journées comme aujourd'hui, je suis assez écœuré. Même ma job à la radio, non, je laisserais tout tomber des fois. Oh oui, j'en ai des bouts. Tu veux que je la lisse? OK. Ah oui? Je sais pas trop. À l'occasion de la visite du pape en septembre, le ministère de la Justice... Ce coin Sherbrooke-Saint-Denis, là. La maison de Saint-Denis, là, c'est plus ça. Et ça rentre à toi, là-bas. Ben oui, ben, ça a bien été, hein, bord de la gare. Québec? Québec, quand il est débarqué de l'avion, quand le coup de canon est parti avant. T'es beau, c'est beau. Toi aussi. C'est vrai que ça fera un bon petit bébé. Quelque chose
qui me préoccupe bien gros depuis une couple de jours. Sabino. Sabino. Tu vas être surpris. Je sais pas. Ben. Je suis en retard. Deux semaines, je pense. Deux semaines? Tu es sûre de ça? Ben. Jusqu'à date, oui. Mais. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux aller voir quelqu'un? Non, pas encore, mais. Je pense que. Ben, c'est peut-être en retard, je sais pas. Normal. On peut peut-être attendre encore un peu. On peut attendre un peu, mais. En tout cas, dis-moi là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Est-ce que tu veux le garder? Ça serait drôle d'avoir un petit panier. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Trop tôt. C'est trop tôt. Non, je le garderai pas. Non plus, je pense que je pourrais pas le garder. Non. Il faut trouver une clinique. Que vous verrez désormais très souvent sur vos écrans dans le firmament des médias.
fille, Josée, à quel âge, là? 14 ans, en fait. Ben, pour faire. Ils l'ont fait? C'est pas vrai. Il n'y a pas un gars qui a brossé dessus. Taxidermiste, oui. Ma fille? Bon, oui, on peut y arranger ça. Hein? À 14 ans? Oui. On va y offrir une colombe du pape, c'est-tu. Pourquoi? C'est une belle colombe. Mais garde, calice, les garde là, là. Garde. Ouais. Hum? Ah, ben, calice. Hey! J'aimerais ça. Vois-tu, il va partir la colombe, là. Ouais, puis? Hein? On va y tirer. On va y envoyer la colombe. Oh, ça donnera, tu sais. On va y donner un cadeau, aussi. Parce que moi, j'ai le goût de baiser avec ta fille. Ah, oh, oui? Oui. Oui, oui.
wish to offer you a symbolic gift. Our gift is a pair of dolls. Bouge pas. Il ouvre le cœur. Une minute. Attends, ça va partir encore. Non, mais... Il parle pas! Ah, c'est justement, tu sais. Je suis bien content, Chris. Oh! Une aire, tu sais. C'est toi, là. Tu vois, tu sais, Chris? Rosé. Rosé, la galante. Va. Mère! Voilà. Call you. Il est déchargé. Ça va, Brouette. J'ai de la misère avec ça, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde, moi, c'est trop serré ici. Bon, ben, attends une minute, là. Bon, écoute, faut que tu rentres tes doigts comme faux. Ben oui, mais regarde, qu'est-ce qui arrive, là? Bon, ben, attends un petit peu. C'est ton pouce qui n'est pas rentré comme faux. Ben non, tiens, énervez-moi pas, là. Bon. Là, tu vas l'enlever, puis je vais le coudre. Mais quel maquillage tu vas mettre avec ça, là? C'est la moitié. Ça va être une femme, l'autre moitié, c'est un homme. Complètement. Femme. Bon. Homme. Bon. Ta moustache, tu prends ta question. Bon. Regarde-moi, ici, c'est trop serré, puis ça, je sais pas comment faire tenir ça. Bon, ben attends un peu. Tiens ça ici, là. Bon, tiens ça comme ça, là. Là, je vais te poser un élastique ici, là, puis ça va tout camoufler ça, là. Fais attention à pas te piquer, mais que t'enlèves ça. Ça? Bon. Ben ça, faut que tu fasses bien attention, là. Ça, tu vois, là, je vais te mettre un agrafe ici, là. Tourne-moi. Ouais. Ça va être pas pire en arrière. Regardez, mais c'est beau. Tu fasses attention. Laisse la faire, là, elle est toute énervée. Wow! Il va pas être chance tes souliers, par exemple. Non, on va y aller comme ça. Bon, ben OK, je pense que ça va aller, là. Enlève pas les épingles, là, puis je vais vous arranger ça, ce sera pas long. Ouais. Amenez-moi ça, là, puis ça va prendre 5 minutes, là, OK, là? Ton collier en pierre durin serait peut-être beau. Non, attends, j'ai une surprise pour toi. Je l'emmène tout de suite? Bon, une minute, là, vous m'énervez. Viens, c'est... C'est pas fini. Ah ouais, viens, c'est... Ça va être toujours ouvert comme là. Tiens. Oh. Tu vois, là? Mais... Bonne nuit. Regarde. Ouais, c'est beau. Même! Ben oui, mais les cheveux sont poignés dedans. Ça va être bon, ça va être on a assez travaillé fort. Ben, ça va être bon. Je sais pas, il va falloir que tu recules la tête. Ben non, il est correct, madame. Ouais. Là, ça va faire beau, mais fais attention pour que ton côte reste fermé comme il faut, par exemple. C'est pas plus beau par-dessus? Ben oui, mais en fermant ton côte, là, va falloir que tu aplatisses ça un peu ou tu grossisses l'autre, là, parce que ça va l'air... C'est plus avantageux, hein? Ouais. Bon, ouais, je vais travailler là-dessus. Bon, ça, m'a-t-elle arrangé, là? Une bourrue, ça va. Hey, là, vous allez me donner une demi-heure. Un nylon, hein? C'est-tu un bon nylon, un petit non. Pour vos genoux? Inquiétez pas, mon façon avant que votre père arrive. Ah, oh, c'est bon. Bon. Tu es encore à ta reine? Oui. C'est Colombe, là. Ouais. Hein? Ouais. C'est là-bas. T'es chanceux que je travaille pour toi, hein, parce que... T'es toi. La pape, là! Elle a fait, ma cape! Quoi? Tiens, André. Ta cape est correcte, là. Oh! Ouais, on va essayer ça, là. J'espère m'a gagné le prix, par exemple, c'était bon. Bon. Oui, c'est bien mieux comme ça, là. Le placement à bébite, là, comme ça. Non, hein. Il y a bébite de travail. Oui, là. Il va me rester rien qu'une petite retouche, là, à faire ici. Tiens, tu vas la laisser comme ça. Il faut pas qu'elle tienne toute la soirée, là. Non, ouais, vous devez être au top avec mes mains. Bon. Arrange ça comme ça. Et puis ça, fais attention à ton serpent en avant. Il est croché tout le temps, là. Bon, tu vas être correct, demain. OK. God.
Oh, ouais, ça va être correct. Bon, ben, voyez, grouillez-vous, votre père s'en vient. Oui. C'est que j'ai mis ma cigarette. Bon. Hey, ça m'éclate, puis c'est pas dessus. Je retourne sa piste de danse. Allô? Ah, salut. Ça va? Si tu t'ennuies du temps, hein? Ou les princes charmants. Ta-la-di-da-da-da, ta-la-di-da-da-da. On prend toujours un train pour la gare centrale. Moi, là, j'ai assez besoin de voir du monde à soir. Je suis même dans procession. Quelle procession? Comme la procession de la fête Dieu. Viens-tu? Ah oui. On prend toujours un train pour la gare centrale. Quelle gare centrale? Excited to them. How many people have you got in the concourse?
soir, c'est tout là. J'ai dû remplacer mon collègue André à pied levé parce que lui, il a décidé de sortir. Tout David. Restez avec nous, poursuivons l'émission en allemand. Oh, jamais de pied dans la maison. Exact. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ah, juste ça, fait toute la journée, Colis. Du groupe Libani, du Verband. Je t'haïs! Oh, Tu pouvais donc crever. Obéissance, obéissance, obéissance. Mon Dieu, aidez-moi, faites quelque chose.
D'ici? Où ça? De suite. Salut, Daniel. Je viens de lâcher ton père. C'est Sylvie? Je suis là. Pourquoi t'es pas embarqué? Je l'aimais pas. T'es tout seul à soir? Ben oui, Jean-Marc est parti à Fort Chimo pour 5 ans. Y es-tu viré au fuck? Veux-tu venir chez nous? Non. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Mademoiselle, pouvez-vous me dire où est le... centre d'accueil? C'est juste là. Par là? Merci. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui as appelé tout à l'heure? Oui. T'es jeune? Oui. Bien, bienvenue. Merci. Tu veux-tu me donner ton sac? Oui. Vous avez une place pour moi? Bien sûr, on a une belle grande chambre pour toi, puis t'inquiète pas pour rien. On va commencer par t'installer dans ta chambre. Après ça, on va aller dans la cuisine, puis on va se prendre un bon café, puis on va jaser.
pense toujours que ça arrive juste aux autres, un avortement. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Est-ce que j'étais dans ton rêve? Oui. Oui, à la fin, oui. Ça me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je suis toute ma vie, là. On peut... Ben, je suis préoccupée un peu. On peut remettre ça demain, tu sais. Non, ce serait mieux d'y aller aujourd'hui. De toute façon, ben, plus on attend, plus il y a de risques après. Tremble, Valérie. J'ai froid. Je vais te réchauffer. Tiens. Bon. Quelqu'un? Hé, hey, l'as-tu reconnu? C'est quoi de la radio où tu vois bien, ça? Il a l'air d'avoir mal aux pieds. Excuse de vous déranger, mais vous rendez-vous compte que c'est un homme que vous venez d'embrasser? Ben oui. Je m'excuse, faites-vous ça souvent? C'est mon chum. Excusez-moi, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Oui. Excusez-moi, mais... Excusez-nous, monsieur. OK, moi aussi, faut que j'aille le nommer un peu avant mon émission. Okay. Tu m'écouteras. Vraiment? Exorcisez-le. Ça s'embrasse, c'est trop. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte? Je viens de voir deux hommes qui s'embrassaient. Je vous ai dit, vous me demandez, faites-vous ça souvent? Il me dit oui, comme ça, c'est mon chum, je fais ça. Il m'a même dit qu'il trouvait ça normal. J'ai demandé si c'était un homosexuel et il m'a dit oui, je suis un homosexuel. Il m'a même dit, quand j'ai demandé s'il était heureux, il m'a dit qu'il était très en harmonie avec lui-même. Ben moi, j'ai dit qu'il devrait aller se faire soigner. Et là, il m'a répondu que la prochaine fois qu'il embrasserait son homme, Daniel, c'est moi. Sylvie, t'as pas sauté? Sauté? La gare? Centrale? Ben non.
deux? Ben oui. Il y a une boîte qui est wow, qui n'est pas pactée que les autres, pas capable de l'arranger. On va tout plier comme ça. Pour ça, j'aurai de la misère, je ne vais pas y faire. Je ne vais pas y faire parce qu'elle est toute. C'est tout rentré. Quand on a des manches, c'est tout comme ça. Là. Et, les deux côtés en dessous sont en dessus la plaque, là, comme ça. C'est en dedans, mais ici, il faut tout ça s'est plié. C'est ça qu'il y a. Je suis un intrus, vous savez. Je ne veux pas avoir de troubles et dire, hein? Et si tu arrêtes de. Genre, j'étais, ouais, parce qu'il a dit, c'est le bon temps tout de suite d'aller changer ma boîte qui ne ferme pas. Hein? Je l'avais payé de bon pied, je l'avais pas eu pour les prières, je l'avais pas volé non plus. Vu que j'avais ma passe 42, j'avais deux passes, une pour mon frère et une pour moi. Puis moi, j'ai dit 42, mon frère va venir avec moi, puis on va être deux. J'avais deux passes. Ben, il est pas venu. Il est pas venu parce qu'il a peur, il a peur des événements. Puis j'ai dit, j'y étais hier. Puis j'ai dit, la preuve, c'est que je ne compte pas de mentir. Moi, j'aime pas ça. J'aime être honnête, puis j'aime être honnête jusqu'au bout. Je sais pas s'il y en a qui le comprennent ici, mais en tout cas, je sais que, comment ça se fait. Il y a quelque chose qu'on pourrait vous dire sur les deux femmes. Comment? Franchement, oui. S'il y a des gens, si on regarde la ville de Montréal, si on regarde partout, la gare centrale, à partir de dès l'heure qu'il a mis la rue d'Avion à Québec à midi moins 20, à 11h40, je pense qu'on n'aura jamais une population aussi importante qui ont rendu hommage à un homme. Vous appelez plus ça un homme, comme les antennes l'ont dit. C'est un capitaine. Puis même encore tout à l'heure à Terre-Neuve, il y a un petit bonhomme qui a dit il appelait Poppy. Hein? Puis je pense que ça, là, c'est la cour la plus forte qu'on n'a pas dans le cœur. Parce que j'ai vu des handicapés qui ont pleuré. J'ai vu des constables qui ont pleuré. Que moi, je mesure 5 pieds 3, j'avais des constats de 6 pieds 2 côté de moi, qui ont pleuré. Et surtout, que c'est qui était beau aussi, qui a touché bien du monde, c'est quand il y a eu les deux colombes, lorsque le monde faisait spectacle au Stade Olympique avec la colombe, puis qu'après ça, quand ils ont été porter deux vraies colombes, ils ont ouvert la cage, et que les colombes ne sont même pas envolées, ils ont resté là. Puis je suis content parce que, à venir jusqu'à date, là, il n'y a rien. Le pape, il y a une tache de sang en dedans. Hein? Moi, demain matin, je suis bénévolement pour venir aider à tout ramasser et tout nettoyer. Je suis le fondateur. Ben, hey, pas une intruse, moi, là. Non, non, non. Demandez ben, à mon curé comment c'est. Il va vous dire qu'est-ce que je suis. Puis ça, vous demandez au monsieur là-bas que j'ai apporté la chose qui n'était pas montée, il va plus m'en servir. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Hein? Je ne sais pas comment la faire. Puis j'ai dit, je vais m'en aller sur place. Puis je n'ai parlé à la police, là aussi. J'ai dit, je l'ai emporté. Puis j'ai des témoins. Moi, je suis jamais à avoir des témoins pour m'appuyer quand c'est vrai. Hein? Vous écoutez RTL-BFM. Là, si je viens, j'ai dit. Mon ami de femme a dit, moi, elle a dit. Mais quand j'ai dit que je ne pourrais pas le faire, elle a dit, je n'ai plus de tout faire. Mais j'ai dit, oui. J'étais avec deux autres. Ouais. Puis j'ai dit, je ne pourrais pas faire ça. Des boîtes en carton, madame, prenez-vous-en, il y en a. Ah, ben, hey, ça prête. J'ai dit les autres, il ne faut pas se laisser. Mais moi, je suis de paroisse de Saint-Mathieu, puis je peux vous donner mon nom, mon adresse, puis tout, si vous voulez. Je suis défiante, puis j'ai pas peur de monter ma carte, comme quoi que mais la ville de Montréal, c'est pas une jeunesse. Puis je suis une personne stable. Non, mais c'est pour vous dire que il n'y a pas peur de dire que c'est une intruse. Comment que j'ai une boîte, ma boîte, je l'ai changée parce qu'elle était brisée, elle était à la pluie. Oh, oui. Puis je l'ai changée là-bas. Il m'a dit, gars, tu peux l'échanger. Il dit, d'abord, il dit ça, il doit, on, elle n'est pas partie. Il dit, elle va rester là. Il dit, on va ramasser ça dans les champs. Alors, tu vas apprendre. Puis moi, j'ai aimé bien mieux pour avoir un souvenir. Pour garder un souvenir. Vous êtes là. Puis, ouais, puis je vais la mettre là, puis je vais savoir que c'est un souvenir. Hein? Puis je vais l'échanger. Écoutez, là, madame, je vais vous dire hein? Ce que vous allez faire. Vous ne pouvez plus, ça va être ici, là, hier. On ne va pas demander. C'est le moment de suite. Vous allez changer la voie de la porte.
la journée a été longue, hein? Ça a été chaud, la nuit aussi, puis moi, j'ai pas beaucoup dormi. Bon, enfin, les stars sont partis et j'en profite pour remettre ma démission. Je vous le dis tout de suite, c'est ma dernière émission. Puis pour fêter ça, ben, on va écouter ensemble « Si tu t'ennuies du temps ». Regardez les filles, si tu t'ennuies vraiment de ce moment du charme, l'aveu de la junior. Dans un spasme lubrique, adoré d'un très bien. La rondelle mystique. Ok, est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Ok. Alors, on est à l'intérieur du staff. On est en train d'installer le terrain pour le super motocross qui va avoir lieu samedi. Alors, c'est ça qui se passe. Et là, présentement, on ne le voit pas parce qu'il est dissimulé sous toute la terre.